Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les catcheurs des abonnés. C'est l'épisode numéro 4, si je dis pas de bêtises. J'essaye de faire une parité, c'est-à-dire un épisode masculin, un épisode féminin. Donc n'hésitez pas, si vous voulez participer à l'épisode numéro 5, 6, 7, 8, 9, n'importe quel autre. Normalement, c'est tous les mercredis à 16h30, 16h45 environ. Et cette fois-ci, nous avons Angel face à Bianca Belair pour le titre d'Euro. Parce que oui, vous avez le droit de demander un titre, que ce soit joué dans le combat, il n'y a pas de problème. Alors, je vais vous faire un petit peu le speech d'Angel, mais dès que j'aurai une ou deux secondes à moi, parce que pour l'instant, le match est parti sous le chapeau de roue, ça va être très très chaud. Ça, ça a été proposé par Blue Lock. Merci à lui ou à elle, dans l'espace des commentaires, de m'avoir proposé ce match. Si vous voulez laisser un petit like pour soutenir cette petite série de vidéos, tu peux courir jusqu'à la fin. Hein. Cours, Forest, cours. Y a pas de souci. Alors, c'est quoi son passé? La superstar Angel est une ancienne influenceuse connue pour ses combats de rue dans tout Chicago, qui s'est fait arrêter plusieurs fois par la police et qui a fait de la prison. Attention, il y a un background. Et elle a été contactée par la WWE qui cherche une étoile montante et elle s'est promis de tout détruire sur son passage. Donc une combattante style, on va dire MMA, combat de rue. Bon, pour l'instant, c'est pas trop ça. On est en train de se faire allumer. Il faut pas oublier qu'en face de nous, nous avons la championne, Bianca Belair, qui, elle s'en fiche du passif d'Angel. Tout ce qu'elle veut, c'est défoncer tout ce qui bouge. J'avoue que pour l'instant, on n'est pas vraiment bon, mais vous inquiétez pas. Moi, il me faut pas grand-chose pour me rétablir. Déjà, est-ce que c'est pas le moment? On s'est relevé d'une soumission. Non mais, il faut toucher par contre. Attention, là je parle à moi, hein, parce que on n'arrive pas à... Pour l'instant, je crois qu'on lui a mis aucun coup. Bianca Belair, pour le titre d'Euro, à Money in the Bank. Attention, ça me plaît pas du tout ce qui se passe. Non, 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 tu vas pas sauter. Tu vas pas sauter. Elle a sauté, elle a osé sauter, elle aurait jamais dû. Tiens, prends-toi le poteau, ça va faire du bien. Un poteau, ça fait toujours du bien. Là où ça passe, donc... N'oubliez pas que vous pouvez proposer, vous aussi, dans l'espace des commentaires, bah, votre background, le personnage. N'oubliez pas, par contre, quand vous créez votre superstar, ou si c'est déjà fait, de mettre le hashtag Monsieur Coty ou Coty, pour que ce soit trouvable facilement pour moi. Magnifique, ça. Par contre, il faut faire gaffe. Parce que, en fait, je pense que le problème d'Angel était qu'elle a l'habitude de se battre dans la rue. Les règles, elle n'apprécie pas. Genre, se battre sur un ring, c'est tout nouveau. Donc forcément, être encerclé par des corps, tout ça, c'est trop nouveau. Vous voyez, elle, ce qu'elle veut, c'est être à l'extérieur du ring, tout donner. C'est ça qu'elle veut. Et oui, depuis qu'on n'est plus sur le ring, depuis que c'est la street, voilà, ça va mieux. Il faut faire gaffe, parce qu'on sait que Bianca Belair, elle va jamais vouloir combattre tout le temps à l'extérieur. Et on va avoir deux styles qui s'opposent. Vous voyez, à peine retournée sur le ring, elle reprend l'ascendant. Ça va être une guerre de territoire. Clash of Clans. Voilà. Ah ouais. Par contre, il faut faire gaffe que la Bianca va avoir son spécial. Et tout peut s'accélérer. Alors par contre, je précise que dans ces épisodes, on a contré son finisher, c'est parfait. On peut très bien gagner comme perdre. Attention, quand vous me proposez votre superstar, moi je donne tout ce que je peux pour gagner, mais vous savez très bien que je peux perdre. Au secours. Au secours. Je fais jamais exprès de perdre, bien au contraire, mais parfois, ça peut arriver, on contrôle pas le match, etc. Mais on contrôle ce magnifique saut de la troisième corde. Bien joué. On apprécie. Clairement, on s'est inventé, toi, le background extérieur du ring, tout va bien, mais c'est vrai, en plus. Voilà, c'est bien, c'est bien. On récupère, on récupère. Endurance, c'est pas notre fort. Oula, assez loupé. Première erreur de Bianca Belair. Pourquoi pas tenter de tomber? On en profite, on veut le titre. Malheureusement, simplement deux. Ne nous aura pas. Ça y est.
On connaît toutes ces techniques, on les a analysées plus d'une fois. La seule chose qui pourrait nous faire perdre, c'est rien. Rien du tout. Marche tranquillement. Là, on avait le comeback, ok. Intéressant de savoir que... Au niveau du coin, si besoin... Oh là là. Vous avez vu ça. Et là, on va se venger de tout à l'heure. Oh, dommage. On a peut-être pris un tout petit peu trop d'élan. Est-ce qu'elle peut contrer? Nous aussi, on peut le faire. Let's go, voilà. Casse-lui les côtes. T'as bien raison. Et on continue. Magnifique descente du genou. Oh là. Par contre, non, jamais ça finira comme ça. Ah, jamais. Attention. Jamais dire jamais. Mais... Oh, le troisième corde. Oh, j'étais sûr de le... J'étais sûr de le placer, celui-ci. Sûr de moi. Viens là. Viens là que je t'attrape. Bah oui. Ah bah bien sûr. Après, on a l'avantage quand même. Hein. Un spécial. Et un finisher. Bianca, elle a rien. Mais elle est très proche d'avoir son finisher. Faudrait penser à ne pas trop tarder. Que des fois... En voulant jouer un peu trop... C'était quoi ce coup ralenti? Je pense que le défaut d'Angel, là, par rapport à Bianca, je le vois tout de suite, c'est une question d'endurance. Au niveau de l'endurance, ça va pas du tout... En même temps, là, nous montre qu'elle a la force. Mais après, c'est le début. C'est normal qu'on ait pas mal de points faibles. Au contraire, heureusement. Ça serait trop simple sinon. Oh, bien joué ça. On récupère un peu. What? J'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Attention, le coup spécial sur le ring. Le premier qu'on va placer. Magnifique. Et maintenant, c'est le finisher. On en a 3. 3 pour faire tomber Bianca Belair. Oh, et... Je me suis dit, on allait l'étrangler avec ses cheveux. Soumission! Soumission! Est-ce qu'on va... Ah là là, elle a fait sa révolte. Bien joué. Mais au moins, on lui a fait gaspiller sa révolte. C'est une très très bonne chose. Par contre, voilà, ça va nous faire vraiment mal. Un squat, elle a du mal. Hein. 2 squats. Et elle ira pas plus de 2. Donc ça prouve qu'elle est fatiguée, qu'elle est au bout du rouleau. On lui a donné pas mal de difficultés pour l'instant. J'étais quasiment sûr d'avoir contré. Le compte pour moi était validé. Par contre, je sais pas si on a une révolte. Et 1. Et 2. Pas besoin de la révolte. Angel n'a pas besoin de révolte pour l'instant. On est bon. Voilà, voilà. Elle nous assomme de coups de prise ultra puissante. On est tellement étourdi qu'on ne peut pas aller l'embêter. J'avoue, c'était un contre simple, j'ai pas eu le bon timing. Ça s'est joué à pas grand chose. Et là, elle nous fait la démonstration que c'est elle la superstar actuelle, la plus puissante, globalement parlant. Ça nous fait mal. Il y a vraiment, c'est comme dans les matchs de foot, de basket et tout, il y a vraiment un temps pour nous où on est très bien, un temps pour elle où elle est très bien, un temps pour nous, un temps pour elle, un temps pour nous, un temps pour elle, un temps pour nous. Le temps pour elle. Et là, ça va être le temps pour qui? Pour nous. Vous allez voir. Reste calme, reste calme. Voilà. Et si on lui faisait le petit... c'est pas ça que je voulais faire, mais... Pourquoi pas? Ça a fonctionné. À un moment donné. Si ça fonctionne, moi j'aime bien. Allez, reviens. À nous aussi. Je sais qu'on aurait pu la paralyser, mais j'ai préféré prendre la fuite. Parfois, il n'y a pas de honte à faire ça. Voilà, elle m'a jamais laissé faire ça depuis le début. Je voulais voir ce qui... Ok. Non, 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 pas ça, pas ça, pas ça. Ça va beaucoup trop vite pour moi. Non, Bianca, 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 Bianca. Aïe, aïe, elle nous a fait l'attaque du train. Hype train, hype train.
On l'a contré là, non? Oh, j'étais sûr d'être dans le bon timing. En plus, elle a récupéré son spécial. Au secours! Au secours! S'il vous plaît, appelez les pompiers! Appelez une ambulance! Parce que là, c'est elle qui va en avoir besoin. Parfait, ça. Ouais, c'est dans ces moments-là qu'on voit qui est la plus grande des superstars. Je vous ai dit quoi? Let's go! C'est maintenant que l'histoire va se créer. Ah, pour Bianca Belair, il en faut deux. Il en faut deux. C'est le minimum syndical. Normalement, on a gagné. Rien n'est jamais sûr dans ce jeu. C'est ce que je vous ai dit. Et au moins, on a un match de qualité. Ça, personne ne pourra dire le contraire. Je réfléchis à diverses façons de jouer, mais là... Ah, elle fait les squats beaucoup plus vite. Là, elle a bien récupéré par rapport à tout à l'heure. C'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Allez, Angèle. Vous pouvez te relever, là. J'ai confiance. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça va suffire? Et un, et deux. Ça, oh là, on est à 2,97 à peu près. En fait, ce qui me stresse, c'est à chaque fois, dans ma tête, je me dis que j'ai le bon timing, mais le jeu me fait comprendre que non. Et t'as pas beaucoup d'élan, mais c'est pas grave. Les élans sont pas là. Faut que ça passe, faut que ça passe. Et c'est passé. Par-dessus la troisième corde. Allons, on s'est vengé par rapport à tout à l'heure. Un dernier. Non, non, non. Oui, Angel for the win, et the winner is... Vite. Oh, ça va jouer à pas grand-chose, oh, ça va jouer à pas grand-chose. Ça va jouer à pas grand-chose. Est-ce que ça va être bon, ou est-ce qu'elle a une nouvelle révolte? Allez, allez, allez. Et voilà, tapote, tapote, tapote. C'est la victoire d'Angel. C'était pas facile, mais qui est beau. C'est que ça a donné un très très beau match, très content. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que Blue Lock, bah, ça lui a plu ou pas, je sais pas, qu'on ait gagné le titre de Raw. N'hésitez pas à participer à l'épisode numéro 5. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. C'est tout. Allez, salut.